Bonsoir! J'ai tenté un truc, je sais absolument pas ce que ça va donner au montage, clairement. Je prends l'initiative au début de cette vidéo de vous dire de la liker à n'importe quel moment où vous trouvez qu'elle mérite un like. Je vous le dis au début, parce que la plupart du temps, vous ne restez pas à la fin et c'est à la fin que je dis de mettre un like et vous oubliez généralement de le mettre. Bon les potes, je suis désolé pour la vidéo de samedi, je devais faire des... Attends! Dieu? Oui. T'es un dieu de quoi? Je suis le dieu de YouTube. Tu ne vois pas que tu mens à ta communauté? Mais non, j'étais pas en train de leur mentir, je leur disais pourquoi j'ai pas fait de vidéo samedi. Dis-leur ce que t'étais en train de faire dans ton lit plutôt que faire la vidéo. Dans mon lit? J'ai rien fait. N'importe quoi. Arrête de te voiler la face. Tu crois vraiment que ta communauté va se forger en ne faisant pas de vidéo? Ouais, t'as peut-être raison. Je vois ce que tu veux dire, mais... Arrête de regarder Wonky Studio. Non, par contre c'est pas Wonky Studio, c'est Veigle et Résil. Ta gueule! Bon, maintenant tu vas reprendre ton planning comme il se doit, ok? Pas de bavure. Ok. Non mais les gars, vraiment, parce que en fait, j'avais un empêchement et... C'est bon. Bon ok, la vidéo de samedi, je l'ai pas tournée parce que j'avais pas d'idée. Et au final, j'avais pas envie de trouver une idée sur le jour même. Ça m'a saoulé. Mais bon, c'est pas pour autant que je vous délaisse, hein. Regardez, là, aujourd'hui, j'ai une nouvelle vidéo et normalement, je suis à l'heure. Bref, là, les potes, le titre, honnêtement, vous avez sans doute cliqué parce que vous êtes en mode « Waouh, incroyable, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? What the fuck, j'ai envie de voir !» On est dans une ère, les gars, où bientôt, les pénis qu'on a pourront être en Bluetooth. En vrai, je dis ça, mais il y a certains jouets pour adultes qui les sont déjà, hein. Mais mec, c'est quoi ce début de vidéo? Déjà, on a Dieu qui arrive, là, le Dieu de YouTube. Et ensuite, je vous parle de ça, mais... Non, j'ai craqué, je crois. Toi, t'arrives, tu cliques sur une vidéo parce que tu penses qu'on va parler d'un truc intéressant, d'un truc sympathique, et tu tombes sur un pélo qui a un cerveau mal placé, mais t'as pas demandé ça, je suis sûr. Enfin bref, on va avancer quand même, hein. On en parlait justement dans la vidéo où on parlait des gens par télépathie. On parlait un petit peu de technologie et vraiment le fait que la technologie devient de plus en plus incroyable. Encore une fois, je vous rappelle, cette vidéo-là, vous pouvez aller la voir, hein. N'oubliez pas d'aller la voir parce qu'à chaque fois que je vous fais des vidéos, j'ai l'impression que vous allez pas les voir. C'est incroyable. Moi, je fais des vidéos pour le fun, mais pour que vous les regardiez aussi, ça me casse les couilles s'il y a personne qui les regarde. Genre, je sais pas, tu te barres, tu cliques et... Du coup, on va passer à autre chose. J'en parlais dans la vidéo de télépathie, la technologie devient vraiment incroyable. Les voitures deviennent de plus en plus autonomes et même certaines voitures sont capables de conduire toutes seules. Si vous le saviez pas, Tesla fait déjà ça sur certaines de leurs voitures et c'est incroyable à quel point la voiture peut être rapide et prendre des décisions relativement simplement et rapidement. On a également une technologie qui fait ses tout débuts, c'est la téléportation qui a réussi il y a de cela plusieurs mois, il me semble, à téléporter deux atomes. Je vous rappelle que notre corps entier est composé d'atomes. Donc si à un moment donné, on arrive à téléporter une infinité d'atomes, ça veut dire que la téléportation sera chez nous, enfin. C'est pas pour vous, mais c'est vraiment le pouvoir magique qu'on a toujours eu envie de faire. Bon, par contre, qu'on se le dise 5 secondes, si vraiment ça arrive, ça va être le RATP, hein, la téléportation. Clairement, toutes les boîtes vont se le racheter, et je pense que dans le premier abord, ce sera uniquement pour les riches. Mais c'est incroyable de se dire que ça arrive. Enfin bref, on va parler de ça pendant 15 000 ans. Là, on est aujourd'hui sur une technologie incroyable. Vous connaissez les caméras. Les caméras grand public peuvent maximum arriver jusqu'à 10 000, voire 50 000 FPS. Et encore, je dis grand public, mais c'est pas tout le monde qui peut s'offrir ce genre de caméra. Là, on arrive dans du très 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 lourd. Il y a certains chercheurs, je sais pas comment ils font, je pense qu'ils prennent une pompe pour gonfler leur cerveau, tellement leur QI est élevé. Ils ont conçu une caméra qui peut filmer jusqu'à, tenez-vous bien, 10 milliards de FPS. Alors évidemment, quand je vous fais ce genre de vidéos, les vidéos actualités, les vidéos actuelles insolites, etc., je doute de chaque article. Et même si je vous en parle avec une sincérité et potentiellement un émerveillement incroyable, derrière cette vidéo, il y a quand même un doute qui persiste. Là, avec cette annonce, on a également une vidéo de ce que je suis en train de vous affirmer. Et c'est pour ça que j'ai quand même des doutes, mais qu'on a des preuves. Donc comme je vous ai dit, ça peut filmer jusqu'à 10 milliards de FPS. Et avec cette caméra, ils ont réussi à filmer la chose la plus invisible de notre monde, la lumière. Ils ont pris un petit laser, ils ont fait pip, ils ont filmé la progression de ce laser ainsi que la réfraction. Putain, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable, filmer le déplacement de la lumière. À quel moment tu t'es dit, je vais faire ça. Bon, dans cette vidéo, on est très très loin des termes techniques qui font hyper mal au crâne. Donc pour vous résumer le tout, pour construire cette caméra, ils ont mixé deux technologies qui sont déjà très poussées ensemble pour avoir ne serait-ce qu'une grosse capacité de FPS à pouvoir enregistrer et également une bonne qualité. Bon, rien n'est dit sur le stockage parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand ce genre de technologie arrive avec des caméras capables de filmer jusqu'à je sais pas combien de FPS, et ben la vidéo, ne serait-ce qu'une seconde, ça peut faire plusieurs téras de stockage. Mais rien n'est dit à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que je commence un peu à douter, mais... Non, je pense que je dois me rappeler à moi-même. Emmerich, on se le dit ensemble, hein. La vitesse de la lumière, elle est quand même d'environ 300 000 km, hein, par seconde. Ouais, mec, en vrai, j'étais en train de me dire la même chose, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. On est vraiment en train de faire un monologue, là? Les gens, ils voient les coupures, mais moi, je vois bien que tu te déplaces, hein. Mais pourquoi t'es en train de niquer notre scénar, là? Qu'est-ce que tu fais? Je suis désolé, les gars, je commence à avoir un psy en ce moment, ça va pas.
Oui, c'est fou. Mais c'est quand même fou de se dire qu'une technologie peut capturer autant d'images en une seconde. Sachant que même notre corps lui-même ne peut pas dépasser ce stade. On est en train de dépasser les limites de la réalité pour le moment. Je pense que depuis tout à l'heure, vous en avez marre que je parle. Là, on va faire place aux peut-être 3 secondes de la vidéo dont je vous parle. Regardez tout simplement. Wesh! C'est insane! J'ai juste envie de péter dans un verre. Calmez-vous, c'est juste un bruitage rajouté au montage. Ou pas. Les amis, encore une news que j'avais envie de vous partager en vidéo. Dans ce genre de vidéo, peut-être que la vidéo sera moins drôle que d'habitude. Mais moi, comme d'hab, je prends un plaisir fou à découvrir ce genre de petites actualités niches un petit peu insolites qui passent pas vraiment aux 20h, mais qui sont intéressantes et qui méritent d'être découvertes par un grand nombre d'entre vous, même si on est 3000. 3000, c'est déjà énorme. Hein. Je suis très content des vues que je fais en ce moment, même si, évidemment, j'ai un nombre d'abonnés qui n'est pas du tout représentatif de mon nombre de vues. Mais je suis très content qu'on ait une communauté soudée en ce moment et ça me fait plaisir. En tout cas, les amis, c'était ça que je voulais vous partager. Vous le savez maintenant, je fais des vidéos tous les mercredis et les samedis à 18h. Et vous inquiétez pas, le manquement de samedi là, on essaiera de pas trop le reproduire, sauf si j'ai la flemme ou que j'ai pas d'idée. Du coup, on se donne rendez-vous samedi prochain à 18h. En attendant, vous pouvez me suivre sur les divers réseaux que vous pouvez voir dans la description, ainsi que sur Twitch, parce que je suis en live tous les soirs à 18h ou 19h30. Tu peux cliquer ici pour t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Allez voir la dernière vidéo en cliquant ici, c'est un mec qui est en train de traverser la mer dans une boule zorbe. Voilà, tu sais, la boule plastique là. Tu veux en savoir plus, tu cliques là. Et si le titre t'intéresse de cette vidéo, je t'invite également à y cliquer dessus. N'hésite pas à douter de tout, à te renseigner sur tout. Ciao mec.